1950. Fateh Aït Sada, premier Algérien en finale d'une épreuve de Coupe du Monde. L'Algérien qui commence véritablement à produire des gymnastes très forts, très spécialisés, cheval d'arçon, sol, saut et anneau principalement. Allez, un renversement par l'avion. Tour complet. Équerre. Ça remonte à l'avion. Et le Nakayama ici. Ouais. Ça tient. Ouais, ouais. Tente de ventre équerre. Équilibre par la planche. Tour soleil et la sortie double tendu et oui ça ben, c'est bien ça quoi, belle prestation Laurent très bien de ce jeune Algérien et souhaitons qu'on puisse le revoir le plus souvent possible au plus haut niveau. C'était donc le premier Algérien en finale d'une épreuve de Coupe du Monde. Il va obtenir une bonne note, Fateh Aït Sada, 9 562, quatrième pour l'instant.